Les mignons. Oh là là, c'est trop mignon. Oh, il y a un gros robot, il faut que je prenne une photo avec. Bonjour tout le monde, je suis Francia. En ce moment, je suis dans la province de Jiangxi, ville de Nanchang, en Chine. Est-ce que vous voyez ce beau parc d'attractions? Dites-vous que cet endroit, eh bien, c'est une entreprise sidérurgique. Ces temps-ci, je suis les informations sur les deux sessions de la Chine. Et cette année, l'un des axes du travail de développement économique et social de la Chine est promouvoir le développement vert. Développement vert qui est aussi très important pour l'Afrique. Afin de voir ce développement vert, des amis chinois m'ont recommandé un endroit. Fondateux Acier, zone industrielle économique touristique. Comment est-ce qu'on travaille le fer? Allez, je vous le montre. Les hauts fourneaux et les usines de cette zone d'acierie sont bordés de verdure, de fleurs et d'arbres. Voir autant de verre dans une zone d'acierie m'a ébahie. Et vous savez quoi? Cette zone attire même des canards sauvages. Oh, je vais me faire manger par ce gros dinosaure! Regardez-moi ce dinosaure! Il est fait par des pneus de voiture! Est-ce que vous y croyez? Pneus de voiture! Est-ce que je peux le monter? Je suis maintenant en compagnie de Monsieur Zhang. Il est un employé dans cette usine. Et là maintenant, on va l'inviter à nous parler un peu plus de la situation de cette place merveilleuse. Monsieur Zhang. 好，我们这里呢是方大克刚。 那么我们公司呢，前前后后啊，投入了将近1.8亿元，把我们的工厂啊打造成了生态森林旅游式工厂。那么在2022年的6月份呢，我们就成功获批了国家4A级的旅游景区，并且在2022年这一年呢，我们就接待了游客达11万人左右了。 Je ne m'attendais vraiment pas à ce que la Syrie soit si belle, industrielle plus touristique plus créative. Voici le jardin d'acier vert que beaucoup aiment. Cette visite m'a permis de mieux comprendre le développement vert de la Chine.